On a Tour Eiffel qui est bleu, blanc, rouge ce soir. L'Arc de Triomphe qui est bleu, blanc, rouge. On a vu l'Assemblée nationale qui était bleu, blanc, rouge. C'est une fantastique nuit bleue qu'on va vivre toute la nuit sur BFM TV en direct. Vous n'allez rien manquer. Les consultants sont là, les journalistes sont là également pour vous faire vivre une fête qui, si vous voulez mon avis, n'est pas prête de s'arrêter alors qu'elle a commencé assez tôt, hein, avec un match à 17h. Là, il durait 48h en 98. Je me souviens, j'ai la chance d'être avec un champion du monde, Bichente Lizarazu, le lendemain soir de votre finale. Et il y avait encore des mecs qui klaxonnaient le 13 juillet à 23h. Ils n'arrêtaient pas. La fête, sacrée fête. Et ça a duré 15 jours. Mais ouais, bon, c'est quand même une... Ça vaut, Roland, ça vaut. C'est quand même une aventure extraordinaire. Mais comme le disait Didier, je ne sais même pas s'ils se rendent compte, même si évidemment, non, ils sont contents. Quand ils vont arriver demain, à mon avis, ça choc, va quand même le choc. T'as un choc, mais tu vis ça au fur et à mesure. Et surtout quand tu auras arrêté ta carrière, je pense que là, à ce moment-là, tu percevras certaines choses.